La braderie de Lille, édition 2011. C'est dans Okay. exactement une semaine. 2 millions de chineurs vont envahir la capitale des Flandres. 10 000 exposants vendeurs proposeront leurs objets à la vente. Et la nouveauté cette année, c'est l'application smartphone officielle de la mairie. La grande nouveauté cette année, c'est peut-être plutôt de renforcer les moyens de communication pour se déplacer dans la braderie. On a le plan traditionnel qui est très demandé. Et puis nous avons mis en place une application smartphone qui permettra en fait effectivement avec son smartphone favori, hein, je ne donne pas de marque, de pouvoir trouver rapidement les différents emplacements dont on peut avoir besoin aussi bien pour tel ou tel service ou besoin, y compris naturel. Devant l'affluence prévue et notamment autour du Champ de Mars, le lieu privilégié des amateurs de brocantes non professionnels, la sécurité a été renforcée, la DEUL notamment sera sous surveillance. On a ajouté quelques éléments sur le quai du Vau, par exemple, il y a eu un incident récemment. On a modifié un peu le barriérage et le chaînage pour qu'il y ait moins de difficultés, même si les conditions sont pourtant relativement bonnes. C'est un incident malheureux. Sur la 2, là, il y a des barrières par endroits, en particulier le long des braderies. Hein, mais on a prépositionné cette année des canaux de la SNCM, hein, qui est bien connu pour son travail de sauvetage, qui peuvent intervenir, nous espérons, le moins possible. Il y a parfois des gens, lors d'occasion de différentes activités, ou particulièrement souvent des gens qui ont un peu trop consommé, qui, à ce là peuvent tomber à l'eau. On a en tout cas des moyens de surveillance qu'on a renforcés cette année.